Allez, c'est parti pour cette cinquième journée de l'équipe Molly Star League. Nous sommes ce soir à Toulouse. Des Toulousains invaincus en ce début de saison qui accueillent ce soir une équipe de Créteil en plein doute. Des Cristoliens qui souhaiteraient retrouver leur état d'esprit et leur jeu de début de saison. Mais ça ne va pas être facile face à cette grosse équipe du Phoenix à qui personne ne résiste. Tout simplement, vous l'aurez compris, comme toujours, on va se régaler. Allez, c'est parti pour 60 minutes. Des Cristoliens, les dernières rencontres, durant les deux dernières rencontres, et ça repart rapidement à l'arrivée de la place. Et forcément, quand il y a de la place, Gross Kojadinovic en profite. Toujours présent, hein. Le capitaine, et ça repart. La balle est à nouveau pour les Cristoliens. Revenir peut-être avec ce quatrième but. Ça remonte rapidement. La défense est bien entrée. Côté Toulousain, ça repart. Et ça tape le poteau quand ça ne veut pas. La petite feinte. Est-ce que ça va aller jusqu'à l'aile? Et oui, on l'a vu venir. Oh, la passe dans le dos. Le petit chap qui passe au-dessus de l'épaule. It's showtime côté Toulousain. Le bras se lève. Il va falloir aller shooter. Djekic qui joue avec Valentin Mann. Oui, c'est bien quand on trouve le pivot comme ça. Ça fait du bien aux Cristoliens, toujours de trouver Valentin Mann. Djekic, la belle sortie de Diallo. Il a réussi à jouer. Et l'arrêt ! Il est validé, ça ne rentrera pas. Depuis 2-3 minutes, les Cristoliens se réveillent un petit peu. La bonne défense, ça, il n'y a personne. Ah oui, ah, ça va vite, ça va trop vite. Là, rien à dire. Le jeu est huilé côté Toulousain. Il va falloir chercher un shoot lointain, peut-être l'un des premiers. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, la lucarne trouvée derrière. Yann Ostralig. Belle sortie de Valentin Mann. Encore une fois, dommage. Ouais, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va vite côté Toulousain. Oh! Il n'y avait pas beaucoup de place. Et il l'a trouvé cette place pour placer un shoot à l'ange d'une puissance assez incroyable. Pour revenir avec un plus 7 au vestiaire qui pourrait faire mal, hein, clairement. Toulousain, le shoot encore une fois, mais quelle puissance, Gonzalo Martins Vira. Et là, il y a de la puissance, mais c'était pas précis pour ce shoot, ce dernier shoot cristolien. Et le score, il est là. Et il fait un peu mal, hein, pour les cristoliens qui étaient bien revenus à la 20e minute. Feuchtmann, Kasper Kahl, oh, il a décidé d'y aller tout seul. Et il a eu raison, 24e but pour les Toulousains. Ayeva qui fait une... Oh, j'allais dire qu'il faisait une belle entrée dans cette seconde période. Et là, le but, il est sublime pour le numéro 11, Cristolia. Feuchtmann, le passage de bras sur Amann. Ouais, derrière, American Zuni n'a rien pu faire. Plus 6 à nouveau. Ah, bien joué Ayeva. Oh, ça décale bien. Pour Amric Anzuni. C'était bien joué. C'est allé vite. Salut Martins Vira pour Kasper Kahl. Et voilà, le plus 9, il est là. Il est là pour les Toulousains. La fin de match risque d'être longue pour les Cristoliens. Grande, grande classe. Allez, 11 minutes à jouer encore. Oh, la tentative de façon limite un peu désespérée. Personne n'est nul chercher. Alors pourquoi ne pas tenter le coup? Il a eu raison, Jordi Djekic. Djekic à nouveau. Ah, c'était bien lâché pour Ayeva. Et je vous le disais, il est en forme. Il fait une belle deuxième, quatrième but déjà. Pour lui, le jeune de 19 ans côté cristolien. Intéressant, hein. Je me répète, hein, mais vraiment... Islam dans le secteur central pour ensuite aller aligner le gardien toulousain et aller chercher cette lucarne sublime. Alejandro Barbeto, là c'est de la régalade. Belkoyeva qui lâche pour Djekic qui a réussi à y aller, mais derrière ça ne passera pas. Non monsieur, le Tunisien est là pour son 13e arrêt. Yacine Belkayed, très très belle partie pour le gardien toulousain. Encore une fois, il faut aller la chercher celle-là, hein. Ça arrive miraculeusement jusqu'à une position de shoot et puis derrière ça croise, mais le pied est là. Allez, il va rester 8 secondes, une dernière peut-être pour les Toulousains pour le 37e but. Et voilà, à la hanche, en puissance, Gonzalo Martins Vieira, reçu 5 sur 5 les amis. 5 matchs, 5 victoires pour les Toulousains et encore une fois celle-ci, elle est méritée et elle est
maîtrisé. Rien à dire.